Taïwan est un petit état insulaire très industrialisé au large de la côte est de la Chine continentale. Taipei, la capitale, compte près de 3 millions d'habitants. Au cœur de cette grande ville, l'église adventiste gère l'hôpital adventiste de Taïwan, l'église adventiste de Sungshan, un studio des médias, une maison d'édition et un centre d'influence urbain. Tous sont situés dans le même quartier. Le centre d'influence urbain est le projet le plus récent. Il a démarré en 2015 grâce à votre contribution aux offrandes du 13e sabbat. Hélène Yan vit à Taipei. Grâce au lien qu'elle a avec l'hôpital, elle a commencé à faire du bénévolat au centre d'influence adventiste qui se situe un étage au-dessous de l'église. Elle a toujours voulu servir la communauté et est devenue l'une des premières bénévoles du centre. Ici, l'église propose des cours sur la maladie d'Alzheimer, un défi majeur au sein de la communauté. Les gens du quartier peuvent également s'inscrire à des cours de cuisine, de santé et d'exercice physique. Au cours de la semaine, environ 70 personnes participent rien qu'aux cours sur Alzheimer. Grâce à la musique et à des activités interactives, les patients atteints d'Alzheimer ainsi que leurs familles trouvent des moyens pour faire face à cette maladie dégénérative. Les cours de nutrition et de cuisine ont également un impact. Les gens de divers horizons apprécient la vision adventiste sur la santé holistique. Jusqu'à présent, quelques 400 personnes ont visité l'église adventiste de Taipei grâce à l'influence de ce centre. Hélène a également été personnellement touchée par les activités ici. Le bénévolat lui a donné un nouveau sentiment d'épanouissement et de joie. Elle a commencé à visiter le centre en semaine et a suivi des cours bibliques avec Brenda, la coordinatrice du centre. Hélène s'est penchée pour la première fois sur le caractère sacré du sabbat. Sa vie a commencé à changer et elle voulait partager la vérité qu'elle avait trouvée avec tout le monde. J'aime venir ici tous les jours. Je veux me consacrer à toucher la vie des gens. Je veux utiliser mon langage pour créer un lien avec eux. Je pense pouvoir utiliser les paroles de la vérité biblique pour leur montrer que je suis chrétienne. Hélène continue à servir au centre et se prépare au baptême. Elle est l'un des premiers fruits d'un ministère réussi qui a commencé en 2015. Ce centre a démarré grâce aux généreuses contributions des membres adventistes à l'offrande du 13e sabbat. Une fois de plus, une partie des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre va permettre d'étendre le centre d'influence de Taipei et contribuera aussi à construire deux autres centres à Taïwan. Votre offrande fera également bénéficier des projets en Chine, en Mongolie, au Japon et en Corée du Sud. Priez afin que Dieu bénisse la région d'Asie Pacifique Nord à travers nos contributions de ce trimestre.